Ils ont été vus plusieurs centaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, ils ont vu sur YouTube et leur clip balance d'ailleurs. Il s'agit de Babylone avec Yessina, non pour vous que c'est dur. Yessina, les voici sur scène. وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حضني وداني وصوني وقلي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا بالقمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وكنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي بكنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا لك ما لقينا يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا sur le plateau de Canal et le plateau de Pourvu que ça dure Babylone avec ce morceau vu par plus de 900 000 personnes sur YouTube. En tout cas, ça cartonne en ce moment. Pourtant, le phénomène est né il y a à peine 4 mois. C'était sur la chaîne 3. Il a été découvert. Il a été surtout promu par qui? Par Yézid avec Hamadouche. Et je vous demanderai de les applaudir encore une fois. Babylone! Hop là! Ça va bien? Ça va, Mahalès? Tranquille? Très bien. Tu présentes tes musiciens, tiens, pour commencer, pourquoi pas? Ben, guitariste solo, il s'appelle Rahim. Rahim? Rahim, à la guitare. Solo. Et l'arpégiste du groupe, c'est Ramzi. Salut Ramzi.
Et le Ramzi est spécialiste en génie logistique, c'est vrai? Génie logiciel informatique, ouais, comme, je crois. Comme Rahim. Voilà, enfin, elle étudie ensemble. Ben voilà, et en fin de compte, le chanteur, c'est toi, c'est Mohamed Ali. Voilà, c'est moi. Bien vu. Et les autres, c'est les Bibi Blues qui sont toujours avec nous, on va les applaudir encore une fois. Alors, Amil le dentiste, c'est toi. Oui, c'est moi. Le phénomène est né il y a à peine 4 mois, tu envoies ton morceau, vous envoyez, parce que vous êtes 3 auteurs-compositeurs, oui, voilà. Vous envoyez votre morceau via internet, sur Facebook, sur Serial Tagger, de la chaîne 3 avec Yazid. Et sur YouTube, le clip. Et paf, ça explose, ça marche, voilà. C'est ça. Le buzz. Et alors, comment vous expliquez le succès de Yazid, hein? Ah ben, c'est la spontanéité. C'est la spontanéité, tout simplement. Vous enregistrez le morceau dans un studio qui s'appelle Aswat. Aswat Studio, oui. Ouais, Aswat Studio, ça s'est bien passé déjà à l'époque? Ça s'était bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. C'était la première fois d'ailleurs qu'on rentrait au studio. Enfin, on était le plus naturel possible. Et ça s'est bien passé. Yes, qui parie, le directeur général de l'ONDA, de l'Office National des Droits d'Auteur, vous écoute? Et finance le tout. Il décide de financer le titre, l'album et le clip. Voilà, le single qui est sorti avec le clip directement et l'album après. Et ça marche bien pour vous? Pour l'instant, ça marche très bien, petit à petit. L'album est sorti ou pas encore? Non, pas encore. Il reste encore quelques... Enfin, je dirais un mois et demi, deux mois. Il reste des trucs à faire. Oubliez, ma t'as dit que je suis une bataille. Parce que je n'ai pas créé que je suis une bataille. Donc, je suis une bataille. Sans aucun problème, allez. T'as que ça, ou d'où que les réunions, ou d'où que les réunions, ou les fausses, la hyperque, allez, on va les applaudir. Ramzi, Rahim et Mohamed Amin, merci encore. Babylone, le phénomène sur Internet, j'espère que ça va continuer avec Yazina et l'album bientôt. En tout cas, le clip est disponible sur Internet. Sur YouTube. Babylone Zina. Babylone Zina, merci beaucoup. Attendez, tout le plaisir. Bonne route en tout cas. Merci. Merci encore. Vers Babylone. Et pour que ça dure, continue. Vous en avez pensé quoi, tiens, autour de la table? Dites-moi, autour de la table, vous en avez pensé quoi, Anwar Ben Malek? J'ai beaucoup aimé. Et c'est une voix avec une espèce de sentimentalité, sensualité. Ah, c'est super. Ouais, Ben Malek est un fleur de peau, un peu sensible, un peu. Un cœur d'artichaut.